Salut les voyageurs, je vous espère en pleine forme et cette fois-ci, on va faire un périple très différent de ce que l'on fait d'habitude. On va aller se promener en montagne, plus particulièrement en Suisse et en plein milieu de la Suisse, tout près de la ville d'Interlaken. La balade consistera à passer d'Interlaken jusqu'au Jungfraujoch, bien entendu pas en ligne droite. Un trajet en train nous fera partir d'Interlaken ouest et nous passerons par des vallées pour rejoindre la gare du Lauterbrunnen où nous changerons de train pour prendre un train à crémaillère pour monter en direction de la Petite Scheidegg. Une fois la Petite Scheidegg, nous prendrons un autre train à crémaillère qui montera très fort jusqu'au Jungfraujoch à plus de 3500 mètres d'altitude. Voilà ce que cela va donner sur un plan simplifié, c'est celui que j'utiliserai tout au long de cet épisode. Au petit matin, un départ tout tranquille d'Interlaken dans un train qui ressemble fortement à un simple train régional. Le plein air de la montagne. Vous voyez comme on a l'air souriant. Voilà, c'est super sympa au niveau graphique. Après avoir changé de train à la gare du Lauterbrunnen, nous prenons maintenant un premier train à crémaillère qui va nous emmener à la Petite Scheidegg en passant par la gare de Wengen. Commencent alors des paysages de hauts pâturages et de feuillus. On vient derrière, c'est beau. En moins là, mais là-bas au fond. Petit arrêt sans changer de train à Wengen. Wengen est une station réputée et touristique, autant en été que pour les sports d'hiver. Vu d'un peu plus près, voici le système de crémaillère. Il faut savoir que les locomotives qui tractent les wagons sont équipées d'une ou plusieurs roues dentées qui viennent s'engrener sur cette crémaillère. Il est temps maintenant de changer de train pour la dernière portion qui va monter très fort. Ce changement s'effectue à la gare de la Petite Scheidegg. Si vous partez tôt le matin, il est inutile de réserver une place pour ce dernier tronçon. Un décor majestueux s'offre alors aux personnes dans le train. Comme vous pouvez le repérer, on s'est un peu fait avoir à la montée. On était du côté gauche. Je vous conseille vivement le côté droit à la montée et gauche à la descente. On se rattrapera sur la descente pour être du bon côté. Arrivé maintenant au Jungfraujoch, une arrivée très impressionnante puisqu'on arrive dans un tunnel totalement creusé à même le rocher. Que faire là-haut? Eh bien, à moins d'être un parapentiste ou un solide marcheur de montagne, alpiniste même, tu devras de toute façon descendre par le train. Alors que faire? au sommet du piton rocheux, en ayant pris un ascenseur depuis la gare d'arrivée, tu vas te retrouver sur une plateforme avec une vue époustouflante à 360 degrés. Le glacier d'Aletsch au fond, et pour te donner une idée du côté impressionnant et vaste du lieu, repère cet hélicoptère qui vient simplement se poser et sa taille par rapport au reste du paysage. Il est maintenant temps de redescendre un peu dans le dédale de tunnels et d'ascenseurs pour prendre le plein air à un autre niveau que la plateforme. Une première vue et une première sensation sur un des flancs rocheux. Sur l'autre flanc du piton rocheux et beaucoup plus bas, on accède alors à une longue promenade facile sur de la neige permanente. Un sentier facile permet en 45 minutes d'accéder à la plus haute cabane en fonctionnement de Suisse, le Mönchjochhütte. ailleurs, tu peux explorer le piton rocheux. Une partie appelée Alpine Sensation est en fait un témoignage aux mineurs qui ont permis la construction. En ce qui concerne l'atmosphère visuelle et sonore, je te laisse juge. La musique ici se fait un petit peu parc d'attractions. On débouche ensuite sur le Palais des Glaces, qui est une partie aménagée dans le tunnel avec de la glace absolument vive, dans laquelle peuvent s'exprimer quelques sculpteurs sur glace. Méfiance à ne pas se prendre une bonne gamelle, la glace est vive, y compris au sol. Il est temps de quitter ce lieu magique maintenant et de repartir par le train. Pour information, nous sommes ici en début d'après-midi, on pensait qu'il y aurait extrêmement peu de monde. La foule paraît impressionnante, mais tout ce petit monde va tenir dans le premier train qui va partir, nous y compris. Et je vous rappelle qu'on avait envie absolument de se trouver sur la gauche du train à la descente pour bénéficier du meilleur panorama possible. Nous voici partis en direction de la Petite Scheidegg. Les paysages passent petit à petit d'un environnement d'haute altitude à des pâturages élevés. Il est temps maintenant de changer de train à crémaillère et de prendre celui qui nous emmènera de la Petite Scheidegg jusqu'au Lauterbrunnen, en passant bien entendu comme à l'aller par Wengen. En arrivant tout près de Lauterbrunnen, où nous retrouverons le train classique de fond de vallée, c'est l'occasion de voir des paysages splendides qui invitent à des balades et qui feront l'objet du prochain épisode. Voilà une grande question. Peut-on véritablement parler de bons plans financiers en Suisse? Pas certain, mais en tout cas voilà ce qu'on a trouvé de mieux pour pouvoir se balader plusieurs jours dans la région, se balader en train, prendre à peu près tous les petits trains, notamment à crémaillère que l'on peut. Et ce forfait, eh bien en fait il contient notamment un aller-retour pour monter jusqu'au Jungfraujoch que tu as vu dans cet épisode. J'aurai aussi un bon plan à partager avec toi, mais dès le prochain épisode, pour le camping, idéalement placé et bien centré pour parquer ton camping-car au milieu de cette zone majestueuse de montagne. Nous voici arrivés au terme de cet épisode, et si tu ne veux pas louper les prochains, qui porteront encore sur des balades, cette fois-ci pas mal à pied en montagne, télécabine, train et balade à pied, eh bien si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Tu tomberas systématiquement sur notre chaîne, sur des images avec du montage et avec des informations précieuses, complémentaires également dans les commentaires de la vidéo. Merci par avance pour ton pouce bleu, n'hésite pas à placer des commentaires, je réponds systématiquement et à bientôt.